toute la salle de Saint-Éloi, qui est pas mal remplie pour comme un à son un habitude. Eh bien, se lève pour cet entre-deux, match très important. Et c'est maintenant que ça commence. Premier ballon pour le PV86. Chen, Jérémy Bichard. Alors, il va trouver une passe à l'intérieur. Bien fait pour Patrick Clérance. Charlie qui va faire son petit flotteur. Allez. Rebond. Oh, rebond pour Charlie. Et ben voilà. Et qui remet dedans. En deux fois, Charlie Pontas qui va trouver les premiers points pour le Poitiers Basket 86. Et Charlie, où il y avait une possibilité de donner dessous à Alexis, mais ça sera Bali Koulibaly en 1 contre 1 contre Pérez. Oh, il s'est fait de l'espace. Bali Koulibaly. Il appelle le pic. Il va profiter de sa rapidité pour prendre le shoot. Oh, et beaucoup de réussite. Compliqué. Ça, c'est un joueur qui est en pleine réussite. Je pense qu'il Alexis attendait un petit coup. Il y a un jeu rapide encore pour Omoya qui magnifique. Donne. Super mouvement à deux. Louis Damour qui dit sur le chat. Oh là, pardon, autant pour moi, Jérémy Bichard qui met ce 3 points. Tel un funambule, Kissom Ouera qui s'en sort le long de la ligne de milieu de terrain. Marcus Renford, il a l'espace, il va s'arrêter pour dégainer à 3 points. Et cette fois-ci, ça sera dedans pour Marcus Renford. De côté pour le moment, Jérémy Bichard qui prend Bali Koulibaly dans la tronche. Et c'est une belle fin, oh, ça. C'est belle fin. Alexis d'Argenton, main gauche. Et Charlie Pontin, lui, il va mettre du rythme. Alors, il va s'arrêter tout proche de la ligne. Et on va retrouver Marcus Renford, qui va vouloir jouer son contre 1. Oh, et il lui parle. Il lui parle à Davis. Il lui a parlé pendant le shoot. Toute la ligne statistique. Oula, il y a une mésentente entre les deux. Jim Seymour qui fait le repli sur deux saignées. Ça et sera manqué, la claquette. Bien, bonsoir à tous, bienvenue sur la chaîne YouTube du Poitiers Basket 86. Et merci pour regarder ce shoot. Et ben voilà, Marcus Renford vous dit bonsoir, messieurs, dames. Oh, bien, bien défendu, et c'est parti. Marcus Renford, est-ce qu'il va aller au dunk? Non, il va l'assurer. Ouais, il va assurer tranquillement les up. Nous n'allons pas profiter sur la première. Oh et bien, ça là sera là pas là non encore, plus pour la deuxième. Encore un jeu rapide. Charlie Pontin, ce qu'il va trouver Kevin Mendy, sont un peu gênés avec Kiss, mais au final. Et ce regard, il fait mais parle-moi. Et on va retrouver Paul Turpin face à Marius Champ, bien défendu. Jones avec la planche. Beaucoup de mouvements, mais c'est bien défendu par le PP86. Oh, il est loin. Oh, il est loin. Gros shoot pour relancer les siens. La balle qui circule, on essaye de se redonner un petit peu de confiance. Oh, joli petit rythme dans le dos. Et ça magnifique. Va dedans. Ça va redonner de la confiance aussi du côté de Davis. Ouais, on essaye de mettre beaucoup de mouvements. De trouver des solutions ensemble. Par exemple. Et là, il se retrouve esselé. Gosselin est détruit. Rebond offensif pour Bichard. Ils vont pouvoir non pas remettre en place. Il prend le shoot tout de suite. Rebond pour. Oh, il lui a enlevé des mains à Jonathan Jeanne. Kiss Omoera qui va rentrer. Mais quand Kiss n'est pas sur le terrain, c'est pas la même équipe. Hein. Oh, Jonathan Jeanne à 3 points. La magie, la magie du basketball. Gosselin, oh, il enchaîne lui pour répondre sur la tête de Jonathan Jeanne. Et à chaque fois, on va rechercher ce joueur tout seul à l'opposé. Kiss Omoera est arrivé. Ah, bien sûr, c'est un poste similaire. Oh. Oh, et Thibaut Dessenier qui fait du boulot. Ça coupe bien les passes. Bali Koulibaly qui va jouer en 1 contre 1. Bien sûr. Oui, il est passé dessous. Bien sûr, Morgan Durand derrière la ligne. Oh, deuxième. Bah, oh bien sûr, il se sent chaud, Morgan Durand. Oh, ça défend fort, Bichard. Oh, il a regardé le cercle, ouais. Et ben voilà. Mais oui. Et oui, 8 points pour Morgan. Plus de questions, on est attiré par le cercle. Oh, la défense. Oh, bien joué, oh, superbe. La défense. Ouais, alors l'attaque est belle. Il va aller au bout, mais il y a Bali Koulibaly devant. Oui, bien joué. Oh, avec le contact, c'est fort, très fort pour Marc Gosselin. Il y a une... Kiss va jouer Davis en 1 contre 1, qui shoot à 3 mètres. C'est ses shoots, ça. Il est propre. C'est ses shoots à Kiss Omoera. Oh là là, un peu garbage time en ce moment. C'est difficile. Ouais, c'est difficile. Ça va jouer en 1 contre 1. Voilà. 4 secondes de possession. Ah, c'est joli. Super. C'est joli. La journée a été sportive pour Poitiers. La journée a été très sportive pour Poitiers et Grand Poitiers puisque c'était. Ouh. Voilà. Bah,
Ça décolle, Air Martinique est dans la place. Voilà. La famille d'Argenton est devant l'écran à chaque fois. Oh, bien joué. Turpin en pleine confiance qui prend ce shoot à 3 points. Un des meilleurs Français à cet exercice. Oui, il y en a quelques-uns en NBA quand même. Mais là, c'est qu'il n'y a pas de défense en fait. Oh, Paul Turpin pour le deuxième. Aïe, aïe, aïe. Et c'est un signe de grande qualité. Oh là là. C'est élégant. Très élégant, Bali. Ouais. Au moment, c'est lui qui fait la diff et qui tient son équipe. Bien joué ça. Ah. Charlie qui a donné son corps à la science. Ça n'a pas suffi. Oui, jolie passe. Allez, il faut aller au bout, Kevin. Voilà. Qui ramène Poitiers à 2 points. Compliqué ça. Les ça rebonds. Et Poitiers plus dominant sur les rebonds offensifs et ça paye au final. Marcus Relford avec la faute. Avant de débuter les dernières minutes de cette rencontre, Bichard décalé. Ah, superbe. Relford. Oh, le side step, magnifique. Plusieurs personnes, la plupart du temps vous êtes dans votre salon. Oh, la réponse. Thibaut Dessenier. Il va aller au bout. Ah, mais bien sûr, si personne l'arrête, il va aller convertir le panier plus la faute. Marcus Relford qui va tenter de retrouver Jim Seymour, bien fait, superbe. Allez, Kevin Mendy, il faut le mettre ce shoot. Et c'est ce qu'il fait, le capitaine du PB 80. Oh, mais bien sûr, il a un boulevard encore. Oh, il est monté très haut. Joli passe. Oh, bien joué. Allez, il y a un surnom. Regarde. Allez, va au bout. Et à demain. Kissomo Era, messieurs, dames. Dessenier qui se rapproche. Oh là là. Oh, une belle passe. C'est une belle passe. Ouais, c'était une passe, autant pour moi. De temps de connexion et en tout, on arrive. Oh, Kevin Mendy. Il est là, heureusement qu'il place. Il a un mismatch à jouer face à un plus grand que lui. Il va retrouver Jimbo dans la peinture. Le hook main gauche. Oui. Marius Champ tout seul, pas de spectacle. On va assurer tranquillement le lay-up puisque ça permet au PB 86. Kevin Mendy qui était là pour conclure l'action. Ça ne sera pas le cas. Marcus Relford au bon offensif et qui va mettre à 3 incroyable. Points. Incroyable. Saint-Éloi qui commence à entrer en fusion, Sylvain. Oui, bien joué. De quelque chose de positif du côté des rouges. Marcus Relford pour enchaîner. Incroyable. Pour Chaland. Oui, et il va essayer de passer Bichard, magnifique. Bichard qui Davis tourne autour de Marius Chambre. Et avec Clérance qui avait un peu d'espace. Et avec le contact, et beaucoup de réussite. Car faudrait pas que Chaland. Davis. Derrière la ligne, voilà qui remet Chaland à la Turpin. Perte de balle. Turpin, il va s'arrêter, il c'est pour il passer. Oh là là. Paul Turpin. Incroyable. Un niveau de confiance proche de 100% pour avoir du scoring. On va retrouver Charlie Pontin. Ça c'est une belle position pour Kissomo Era. 3 points. Poitiers reprend les devants. C'est pour toi ce genre d'action. Il va pas s'empêcher de le jouer. Il va passer. Finition main gauche. Marcus Relford. Allez, un deuxième. Bali au bout des doigts. C'est 2 sur 2. Bali Koulibaly donne 6 points. Allez, Bali, un deuxième. Vous restez avec nous. 2 sur 2 pour Bali Koulibaly. Turpin, mais c'est bien défendu par Kevin Mendy. Il va passer, aller finir à 2 points. Et notre Américain sur la ligne. 2 sur 2 pour Marcus Relford, 8 points d'avance, Turpin qui va une seconde. Donner à Gosselin à 2 points, mais il n'en sera rien. Messieurs, dames, le PB 86 s'impose 85-77, score final, 4e victoire de suite. Le PB 86 est invaincu en 2023 et se rapproche du haut du classement de cette poule A.